À quoi ça sert, on est tous morts. À quoi tu sers, je t'ai encore bataille, déjà perdu. Une histoire déjà entendue. C'est pas que je crois en rien, je crois que ton cours ça me convient. Chez moi, je vole pas, je suis pas chez toi, il fait trop froid. J'ai perdu mon endroit. De Guérilla Poubelle, les concerts sont terminés, le groupe vient de manger, il est reposé. Voilà, salut. Ça va, tu vas bien? Ça va bien. Je voulais savoir comment s'est passée ta tournée, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on a passé une tournée sur la côte ouest. Ouais, aux États-Unis. Ouais, ça s'est très bien passé. Alors on a fait toute côte ouest et le Midwest, on a fini à Chicago et on est retourné en octobre faire la côte est aussi. Donc on a un peu tout ratissé cette année là. Et ça s'est très bien passé. Moi c'est la première fois que j'allais sur la côte ouest. On a vraiment fait de Seattle à San Diego, donc c'est vraiment tout le truc. Et ouais, c'était très bien. Les concerts étaient cool, il y a vraiment des paysages incroyables qu'on voit pas trop dans les autres parties des États-Unis, c'est plutôt des centres commerciaux et des baraques toutes pourries. Et donc là, c'était cool, c'était très cool. Et t'as senti qu'il y avait différentes atmosphères et moods par rapport à l'Est, l'Ouest? C'est difficile parce qu'on est quand même toujours un peu nous dans un truc de concert de punk. Donc en fait, c'est un peu cette humeur-là qu'on voit tous les soirs, quoi. Après, ouais, moi je suis pas sociologue et tout, je préfère pas trop donner mon avis rempli de clichés de petits français qui jugent les gros américains. Mais non, c'était cool. C'était cool. Ouais. Comment ils réagissent au texte en français? Comme nous au texte en anglais. Ouais, ou comme... En fait, souvent, moi, j'ai tourné aux US avec un groupe où on chante en anglais et on se faisait plus souvent demander « Ah, mais c'est bizarre, vous êtes français, pourquoi vous chantez en anglais avec... ?» Avec Guerrière, on est français, on chante en français, et du coup c'est normal pour eux. Et il n'y a pas du tout ce truc de...
C'est normal en fait. Tu vois un groupe chinois qui chante en chinois, tu vas pas te dire c'est bizarre, ils chantent en chinois, et tu vas pas trop te poser la question. Après, nous on parle en anglais entre les morceaux, on essaye de contextualiser un peu les trucs, et puis on a sur le site internet tous les textes qui sont pas traduits mais expliqués en anglais avec les références soit aux actualités si c'est le cas ou aux références culturelles dont on parle dans les chansons. L'avant-dernier album s'appelait Amor Fati. Ouais. Donc c'était une phrase de Nietzsche. Ouais. C'est accepter son destin, plus ou moins. Ouais. Ce que tu es, etc. Ouais. Et c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est bon. Le dernier s'appelle La Nausée. Ouais. Donc c'était en référence, on avait discuté. Ouais. À l'œuvre de Jean Porsard. Ouais. Ok. Est-ce que le prochain album, vous allez suivre ce titre philosophique et cette trilogie? Je ne sais pas si c'est une trilogie. Mais je ne sais pas, si le prochain... On verra. Ouais, je ne sais pas, on verra. J'avais pensé à un titre déjà, alors qu'on n'a aucune chanson, on n'est pas en train de parler de disque. Je me dis, ça ferait un bon titre d'album, et j'ai oublié ce que c'était. Donc on l'a perdu. Et c'était par rapport à une œuvre philosophique? Je ne sais plus. J'essaye de me rappeler, j'ai aucune idée. Non, je me rappelle avoir eu une idée dont j'étais très content. Et voilà. Et c'est un livre que tu as lu peut-être? Je sais pas, j'ai aucune idée. Aucune idée. Et on va pas retrouver ça maintenant. Ouais. Non, je pense que c'est perdu à tout jamais. On trouvera une autre idée et ça sera. Et t'as travaillé sur des morceaux, des textes? Rien. Et t'as programmé? On a répété en 2018 une seule fois. C'était il y a 3 semaines. Et c'était pour. Ouais, c'était le fameux morceau là qui est. C'était qu'on a la reprise de la Mano Negra là qu'on a sorti. Non, c'était même pas ça, c'était après avoir enregistré ça. On a enregistré effectivement, on vient de sortir un titre sur une compile qui est sortie par notre label québécois. Et quand on était à Montréal en octobre, ils nous ont calé une après-midi dans un studio pour enregistrer une chanson pour cette compile là. Le cahier des charges c'était de faire une reprise et que ça soit en français. Et du coup, on a choisi cette chanson là, mais on l'a jamais répété, on l'a jamais joué ensemble, on s'est pointé, on l'a un peu travaillé pendant qu'il réglait les micros, puis on l'a enregistré dans la foulée. Et voilà. Donc on a enregistré un titre cette année qui était une reprise sans répéter. Voilà, mais on a fait une centaine de concerts, on n'a pas chômé. Ouais, c'est ça. Là, c'était vraiment une année concert. Ouais, bon, comme toutes les... ouais, comme d'habitude. Ouais, comme toutes les années. Ouais. Guérillasso, il y a des nouveautés, il y a des trucs à annoncer peut-être? Ouais, les
deux derniers trucs là, qui sont sortis depuis l'été, c'est le disque de Heavy Heart, qui est bon, après moi c'est mon label, c'est mes potes et tout, je vais pas être objectif, mais c'est vraiment hyper bien. Et également le disque de Lost Love, groupe de Montréal, avec qui on a tourné en octobre avec Guerrilla aux États-Unis et au Canada, qui est aussi un super groupe et qui viennent en tournée. Heavy Heart, ils tournent un peu tout le temps en France et tout ça, mais Lost Love, ils reviennent cet été. On va faire quelques dates avec eux. Heavy Heart, ils vont passer au mois de mars avec l'anniversaire des Dirty Fonzie à Albi. Ah oui, j'ai vu l'affiche tout à l'heure. Excellent, très bon rendez-vous. Donc au niveau actualité, on n'en saura pas plus. Bah, c'est un peu tout. Il va annoncer la prochain disque qu'on sort, c'est Versus You, un groupe du Luxembourg là, pour un nouvel album. J'avais déjà sorti un EP il y a 2 ans, je pense, c'était. Et qui est vachement bien aussi. Mais bon, je sais pas comment vendre mes trucs. Hein, mais tu les vends bien. Allez les écouter. Moi, c'est des groupes que j'adore, c'est des êtres humains que j'adore. Et c'est un groupe qui vaut le coup. Donc, normalement, le prochain album de Grilla Poubelle, ça sera sur le féminisme. Je sais pas. Pourquoi ? Je trouve que c'est en train de se péter la gueule, la situation, et qu'il va falloir que... Je sais pas, il me semble que ouais, c'est un sujet... Ouais, c'est un sujet important, mais on en parle déjà dans cet album-là, dans La Nausée. On a toujours eu un peu ce discours-là, qui est pas facile à... En étant 3 garçons dans un groupe... Ah mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Encore un groupe de plus à être que des garçons blancs, hétérosexuels, de la classe moyenne. Mais tu peux avoir un avis tranché sur la question. Ouais, et puis on a le droit d'essayer d'en parler et puis de tous s'inclure dans ce truc-là. Ouais. Je pense que le fait que tu aies les ongles peints n'est pas anodin. Bah, c'est parce que je trouve ça joli. Mais voilà, qu'est-ce que tu ne trouves pas anodin ? Mais je sais pas. C'est bizarre que des gens se mettent. Non, pas du tout, non. Je trouve ça cool en fait. Ouais, tu devrais. C'est quand j'en mets pas, il y a des moments où j'en ai pas, je me sens un peu. À nu. Un peu à poil quoi. Je suis là, oh, qu'est-ce qui se passe ? Mais ouais, ça fait longtemps que je fais. J'ai fait longtemps que du noir parce que. Oh là là, ça va le bruit là ? Ouais, c'est ça. Oh, le chantier ! Oh ! Non mais ça va, ouais, j'ai fait longtemps que du noir parce que les garçons ça met du noir, ouais, là, et finalement je me lâche, je fais toutes les couleurs, j'ai des paillettes, j'ai plus de vernis à ongles que ma compagne. Oh carrément. On a chacun notre étagère et il y en a plus. Okay. Bon mais écoute, merci beaucoup. J'en prie, merci beaucoup et à la prochaine alors. À la prochaine. Ciao, merci. Ciao.